mes petits papiers. Aujourd'hui, j'ai un peu le trac. C'est une vidéo un peu originale. C'est pour moi, c'est la première fois que je fais un live sur Facebook. Alors, j'espère que ça vous plaira. C'est un live qui fait partie de ma fête de lancement pour le nouveau catalogue de Stampin' Up. Et j'en profite pour vous parler un petit peu de l'activité de démonstratrice. J'avais envie de partager avec vous tout ce que ça m'a permis d'atteindre, de découvrir, de... Voilà. Alors, je ne vais pas vous parler du monde merveilleux, on va être objectif. Je vais vous raconter un petit peu en quoi ça consiste et vous donner un peu toutes les petites recettes si ça vous tente d'essayer cette aventure. Alors, j'ai pris quelques notes pour ne pas oublier. Du moins, j'espère de parler de ce que je trouvais d'important. J'ai pas fait beaucoup de publicité pour ce live parce que c'est mon premier et j'ai voulu le faire en douceur, mais bien sûr, vous pourrez le voir en replay. Alors, d'abord, je vais commencer par mon histoire. Ça me permettra de répondre aussi à certaines questions qui m'ont été posées. Moi, je suis devenue démonstratrice Stampin' Up à un moment où j'avais des difficultés, on va dire, au travail. J'avais besoin de quelque chose pour me changer l'esprit, me changer les idées. Et c'est arrivé pile au bon moment. Ça a fait exactement ça, me changer les idées, me permettre de passer à autre chose, de me retrouver dans mon petit monde quand j'étais chez moi. Et c'était vraiment... Ça m'a aidé à sortir de cette période de burn-out. Mais on peut rentrer chez Stampin' Up. Moi, j'étais pas complètement fan de loisirs. J'aimais bien les loisirs créatifs, mais je me trouvais très gauche, très mauvaise. Je suis désespérante avec une paire de ciseaux. Donc, une des choses. Ah ben, bonjour Madeleine. Justement, c'est Madeleine qui m'a invitée à un atelier chez elle, un atelier Stampin' Up. Et là, j'ai passé mon atelier à m'exclamer, mais c'est magique, ça marche super bien. Enfin voilà. Donc, ça a été ça mon premier contact avec Stampin' Up. Et c'est ce que j'aime chez Stampin' Up, la qualité des produits, le fait que les couleurs, les tampons, les poinçons, tout soit coordonné. Bonjour Virginie. Et que tout ça permette de faire. Coucou Madeleine, ça permette de faire. Vraiment des belles créations sans avoir des compétences extraordinaires en loisirs créatifs. On va dire qu'il y a plus ou moins deux profils quand on rentre chez Stampin' Up. On peut y rentrer simplement parce qu'on aime les produits et qu'on voudrait bénéficier de la réduction. Quand vous êtes démonstratrice chez Stampin' Up, vous avez au moins 20% de réduction sur les commandes que vous passez. Et on peut juste se satisfaire de ça. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé. Ce qui m'intéressait, c'était d'avoir la réduction. Éventuellement de faire des petits, oh, pas vraiment des ateliers, on va dire des réunions en famille avec ma maman, mes belles-sœurs. Et puis j'avais cherché des idées sur Internet et puis on les faisait ensemble. Et voilà, ce statut-là, il est très bien, il est très simple, vous n'avez pas besoin de lancer quoi que ce soit d'un point de vue juridique tant que vous ne vendez rien à quelqu'un d'autre, tant que vous ne passez que des commandes pour vous-même. Et puis, il y a aussi la possibilité de devenir VDI, donc c'est de la vente directe, on devient vendeur à domicile indépendant. Et là, c'est un moyen de compléter ses ressources parce que vous allez avoir quelques recettes qui vont, en ce qui me concerne, juste me permettre d'acheter plus de produits Stampin' Up. Et puis, en fait, ce qui m'a décidé à faire des ateliers pour les autres, c'est parce que j'ai découvert que j'aimais beaucoup expliquer aux autres. Vous l'avez peut-être déjà vu sur mes vidéos. J'aime beaucoup expliquer aux autres comment faire une jolie carte, telle technique, etc. Et c'est quelque chose dont on profite beaucoup quand on est démonstratrice. On rencontre un tas de gens, soit pendant vos ateliers, soit, et là c'est aussi un nouvel intérêt à rentrer, à devenir démonstratrice, c'est que vous pouvez participer aux événements de Stampin' Up. Et donc c'est grâce à ça que je suis allée jusqu'à Dortmund, qui était une véritable aventure, et que j'ai rencontré des démonstratrices britanniques, françaises évidemment, allemandes, autrichiennes, etc., américaines. Bonjour Aurélie!
Voilà, ça c'est quelque chose qu'apporte Stampin' Up. Tout est organisé à Dortmund ou même ailleurs dans les réunions d'une journée. Honnêtement, on est sur son petit nuage, on fait que du loisir, on est avec les amis. C'est vraiment la bouée, l'oxygène qui vous fait repartir pour quelques semaines ou quelques mois. C'est vraiment des choses qui sont extra. Un des autres avantages, je triche, hein, un des autres avantages quand vous êtes démonstratrice, c'est que vous avez accès aux produits qui vont être proposés dans les prochains catalogues en avant-première. Donc vous y avez droit un petit peu avant tout le monde. Ça, c'est un petit plaisir qui n'est pas négligeable quand même. Les belles rencontres, j'avais noté, je vous en ai déjà parlé. Et puis vous avez aussi en plus des 20% de remise, aussi des petites récompenses. Alors des petits challenges, vous y participez si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé. Quand vous êtes VDI, vous avez votre statut en tant qu'indépendant. Vous menez votre barque exactement comme vous en avez envie. Vous menez le commerce, c'est du commerce, mais celui que vous voulez. Celui que moi j'ai choisi de mener, c'est un commerce honnête, qui ne ment pas, qui conseille le plus possible aux clientes le produit qui lui sera le plus approprié, qui correspondra à son budget. Voilà, ça c'est celui que moi j'ai choisi. Vous pouvez en choisir un autre, vous êtes indépendante. Et puis ça a été pour moi aussi, à de nombreuses occasions, et encore là aujourd'hui, puisque c'est mon premier live, je ne sais combien d'occasions de me prouver que j'étais capable de faire des choses que je n'aurais jamais imaginées avant. Parler en anglais devant des centaines de personnes, je ne l'avais jamais fait et je me suis prouvé que j'étais capable de le faire. Et ça a démarré par animer un atelier devant 4 ou 5 personnes en présentant une technique que je viens de découvrir. C'est déjà extra d'y arriver et de se prouver qu'on est capable de le faire. Pour devenir démonstratrice, comment ça marche? De façon générale, d'habitude, vous devenez démonstratrice en achetant un kit de démarrage. Dans le kit de démarrage, il y a une petite partie de produits qui est offerte et qui est la même pour tout le monde. Des catalogues, des invitations déjà préparées, voilà, des petites choses comme ça. Mais sinon, la plus grosse partie, c'est que pour 129 euros que vous payez, vous allez pouvoir choisir pour une valeur de 175 euros de produits. Donc ce sont les produits que vous choisissez qui seront donc forcément adaptés à vos choix, vos besoins, vos goûts. Mais en plus, en ce moment, donc jusqu'au 30 juin, le truc extraordinaire, si vous devenez démonstratrice, donc à nouveau, soit hobby, soit pour vous lancer dans une nouvelle carrière, vous allez pouvoir choisir un lot. 7 de tampons plus perforatrice ou 7 de tampons plus poinçon. Alors si vous voulez commencer à choisir, les 7 de tampons, donc les lots 7 de tampons plus perforatrice, ils sont pages 168 et 169 du catalogue. Et les lots 7 de tampons plus poinçon, ils sont à la page 173 à 179 du catalogue. Ça, c'est vraiment honnêtement une super affaire. C'est vraiment le bon moment pour devenir démonstratrice. Le statut de VDI, si vous choisissez de démarrer une carrière, c'est un statut en France. On a beaucoup de chance qui est très simple. Il n'y a pas de comptabilité compliquée, il n'y a pas de déclaration compliquée. Stampin' Up vous prémâche entre guillemets le travail et vous envoie les chiffres que vous devez déclarer avec le numéro de la case des impôts. On est dedans en ce moment, le numéro de la case des impôts que vous devez remplir. Du coup, c'est vraiment très simple. Au niveau du temps que ça vous prend, ça vous prendra le temps que vous souhaitez. Donc une autre question qui m'a été adressée, c'était est-ce que je fais ça surtout le week-end? Eh bien ça dépend. Quelquefois je fais ça le soir. Honnêtement, quand je suis dans des périodes finalement assez chargées, en stress, peut-être plutôt au travail, eh bien le soir, je rentre dans ma bulle et je fais une carte ou je ne sais quoi, j'écris un article sur mon blog, enfin voilà. C'est vraiment, vous y consacrez le temps que vous voulez, la quantité de temps que vous voulez et vous y allez quand vous voulez aussi. Donc voilà, c'est vraiment à la carte. Vous en faites une entreprise, parce qu'en fait c'est ça, vous en faites une entreprise à votre image. Et si vous avez envie que ça reste juste votre loisir avec une réduction, ça reste juste un loisir avec une réduction.
J'ai fini un peu avec tout ce que j'avais envie de vous raconter. Je remercie toutes les personnes qui sont là. Je vois des petits logos qui apparaissent. C'est très sympathique. Je suis ravie de vous voir là. Merci pour votre soutien. Je suis bien sûr à votre disposition si vous avez envie d'autres renseignements, si vous avez des questions et si vous avez envie de rejoindre mon équipe chez Stampin' Up. Vraiment, c'est une belle aventure. Profitez-en si ça vous fait envie. Et comme toujours, je vous embrasse et je vous souhaite de passer de belles journées créatives. À bientôt!